Cinq jours après la mort par balle d'un jeune homme de 17 ans, ce rassemblement donc dans le quartier Croix-Rouge à Reims, il vient de s'achever. Ophélie Mazur est sur place. Bonsoir Ophélie, que retenez-vous de ce moment? Bonsoir. Beaucoup de tristesse, beaucoup de douleur. C'était vraiment le recueillement après la violence. Vous voyez encore quelques personnes derrière moi. Au plus fort du rassemblement, il y avait 200 à 250 personnes réunies ici. Des habitants du quartier Croix-Rouge, mais également quelques élus. Tous ont respecté une minute de silence en mémoire de Magomed, ce jeune homme de 16-17 ans, qui a donc été abattu vendredi dernier. On nous a parlé de Magomed, un jeune homme qui est arrivé à l'âge de 2 ans en France, un jeune homme visiblement sportif, d'origine tchétchène. Il était arrivé ici en France avec sa famille à l'âge de 2 ans donc. Il vivait dans ce quartier Croix-Rouge depuis de nombreuses années. Son père a accepté de nous parler de lui, son père qui a quitté la Tchétchénie en pensant sauver ses enfants d'un pays en guerre. Il n'imaginait évidemment pas un tel scénario ici à Reims. Mon fils était un bon garçon. Il a fait toutes les petites, il a fait des foot, on a fait judo à Croix-Rouge, sportif. On a sauvé la vie pour venir ici, pour protéger, se protéger. Et ici, qui est mort, c'est, je ne sais pas. Ophélie, le message lancé est clair, c'est non à la violence dans le quartier. Oui, dire non et demander justice pour Magomed, bien sûr. Les habitants sont venus spontanément nous parler. Beaucoup nous ont décrit un climat de violence qui ne cesse de croître depuis 2 années environ. On nous a parlé de rivalité, de règlement de compte. Mais il y a un mot que l'on refuse absolument, c'est le mot communautarisme. Écoutez l'organisateur du rassemblement. Notre objectif est de lutter contre le communautarisme. Comme j'ai dit tout à l'heure, on est là pour dire non à ce qui s'est passé et en même temps pour dire que Reims, la ville de Reims, Reims a perdu un jeune citoyen rémois. Donc nous, on ne cherche pas est-ce qu'elle est de telle ou telle origine. Donc quelle que soit son origine, c'est un rémois qui a été assassiné ici dans le quartier Croix-Rouge. Merci Ophélie Mazur et l'enquête continue pour connaître les circonstances de ce meurtre. Vous étiez en direct avec Paul-Antoine Boudet, en direct du quartier Croix-Rouge à Reims.